Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, je vais tester un nouveau jeu. Je ne sais pas si c'est on peut appeler ça un jeu rétro, mais bon, étant donné qu'il est assez récent, il s'agit de Ruby 2006 sur PC. Ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus, et ça tombe bien, j'avais envie de le faire parce que j'en avais envie, voilà. Mais c'est pas grave, on va le faire avec. Donc voici donc la sélection des équipes. Alors vous avez plusieurs choix. Vous avez les équipes internationales. Vous avez tout le choix. Vous avez la France, la Géorgie, l'Italie, Japon, Namibie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que d'autres. Là, ce que vous voyez là, c'est les équipes du Super. Du Super 14, enfin maintenant ça s'appelle maintenant Super Rugby, mais depuis ça s'appelle maintenant, ça s'appelait avant Super 14, mais depuis ça s'appelle Super Rugby, de plus il y avait de nouvelles équipes, et ça je vous en parlerai une autre fois. Sinon nous avons les clubs européens, enfin les équipes européennes, tout ce que vous avez, notamment par exemple Toulouse, Baf, Biarritz, Bourgoin, ouais, enfin, des grands noms, et enfin des petits représentants qui comprend l'équipe bis de l'Australie, les Barbarians anglais, les Icelanders, enfin les Pacific Islanders, enfin les joueurs du Pacifique, ainsi que les Maoris de Nouvelle-Zélande. Voilà, donc on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite au premier match. Alors si vous avez bien vu, je compte lancer un match. Alors, attendez, je vais choisir, nanana, allez, on va prendre un représentant. Allez, on va prendre l'équipe du Pacifique, et on va choisir leur adversaire. On va prendre, bah tiens, on va prendre une équipe européenne, à savoir, attendez que je choisis, ah tiens, la province irlandaise du Leinster, voilà. Voilà, donc là vous avez la composition des équipes, et on va s'intéresser tout de suite au match. Alors je vous rappelle que le match se déroule, on va aller commencer à se dérouler en Océanie, dans le Pacifique, qui oppose les Pacific Islanders, ou l'équipe de l'archipel des Pacifiques, face aux Irlandais du Leinster, voilà. Le combat va devenir un peu plus intéressant, j'espère. Voilà, donc on va s'intéresser tout de suite au match. Alors je suis l'équipe des îles du Pacifique, enfin les Pacific Islanders, face à eux, l'équipe irlandaise de Leinster, voilà. Ouais, bien joué. Oh, oh joli. Vous avez vu ce que j'ai fait? Ah, ils sont très véloces, les joueurs du Pacifique. Ils ont toujours été véloces. Je me demande pourquoi. Voilà, c'est parti. Voilà, attention. Et voilà, premier essai des îles du Pacifique. Voilà. Vous avez vu? Allez, on va voir ça en ralenti. Regardez, waouh! Je voulais mettre. Je vais plaquer entre les poteaux, mais bon, j'ai été stoppé, mais c'est pas grave. Bel essai. Et comme tout bon jeu de rugby qui se respecte, après l'essai, c'est l'heure de la transformation. Bon, ça va, elle n'est pas trop difficile celle-là. Je suis juste devant les poteaux, je ne peux que réussir. Ah mince, j'ai loupé. Et j'étais presque sûr, plutôt quasiment sûr que ça marcherait. J'ai dû faire un mauvais calcul, je m'en excuse. Non, c'est pas grave. J'aurai plus de chance la prochaine fois. C'est pas grave. Ah, touche. Pour les îliers, ou les Pacific Islanders, ou l'équipe des îles du Pacifique, ça dépend comment on l'appelle. Alors c'est une équipe assez hybride, qui comprend les trois meilleures équipes de rugby du Pacifique, à savoir les Tonga, les Fidji et les Samoa. Voilà. Et si on pouvait ajouter aussi un peu soit la Nouvelle-Zélande et un peu les îles Cook, bah ça m'arrangerait bien. Ah mince! Ah là 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 là! Il y a un des joueurs qui a perdu le ballon, quel dommage! Bon, c'est pas grave. Voilà, ce sont les Irlandais qui ont. Voilà. Donc, comme vous avez entendu l'arbitre, il y a. Un en avant, mêlée pour les Irlandais du Leinster. Attends, on va abréger. Voilà, bon. Ah là là, ah mince, ah, j'ai pas poussé assez fort. Ah, ils sont très bagarreurs, les Irlandais. Et magnifique drop de Felipe Cantepomi, l'Argentin. Et les Irlandais du Leinster reviennent par 5 à 3. Merci. Éloignez-vous du ballon.
Voilà, dégagement. Oh là là. Bon, là, si je me souviens bien, c'est un renvoi au 22. Voilà, c'est ça. J'arrivais plus à trouver le mot. Voilà, renvoi au 22 pour les Islanders. Voilà. La joue, oui, comme tu dis. C'est pas fini, pas tôt. Il peut pas passer ma poussoir. Il est plaqué à la dernière minute. Oula. Il était un peu fort celui-là. Parce que si je vais aller à fond, à fond. Voilà. Voilà. Le Virata. Bye. Il ne passera pas malencontreusement. Alors qu'on s'approche déjà à la fin de la première mi-temps. Et pour l'instant, ce sont les îles du Pacifique qui mènent 5-3 contre l'Irlande. Enfin, contre les Irlandais de Leinster. Alors, nouveau ballon pour les joueurs du Pacifique. Bon, de toute façon, le match va bientôt se terminer. Et voilà! Et fin donc de cette première mi-temps. Et pour l'instant, c'est l'équipe des îles du Pacifique qui mène. Je vous rappelle, 5-3. De retour, ici, quelque part en Océanie, où l'équipe des Pacific Islanders, où l'équipe des îles du Pacifique mène 5-3 face aux Irlandais du Leinster, alors que le ballon est à bail. Oui, voilà, et essai! Essai! Nouvel essai des îles du Pacifique, enfin les Pacific Islanders, on les appelle en anglo-saxon. Voilà, GG, bye. Et il y a aussi la transformation, alors cette fois je vais faire en sorte de ne pas la rater celle-là. Parce que tout à l'heure je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait un mauvais calcul. Allez, faut bien calculer son coup, hein. Pas faire n'importe quoi, hein. Oui, voilà. Là, ça passe. Oui, bravo. Bien joué, monsieur. Voilà, encore une fois, les Irlandais ont pris le ballon. Mais pas pour très longtemps, puisque j'ai réussi à l'intercepter. Voilà. Et ce que j'aime bien dans ce genre de sport, c'est que c'est vraiment un sport d'homme, c'est vraiment pas un sport de tapette, comme on dit. Voilà. Nouveau ballon pour les îles du Pacifique. Voilà, Sylvie Bateau. Bye. Le ballon est toujours pour l'équipe des îles du Pacifique. Ah, avantage pour moi. Enfin, pour l'équipe des îliers. Oula. Ah là 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 là. C'est pas grave. De toute façon, il y avait un avantage pour moi. Enfin, pour l'équipe des îles du Pacifique. Alors, justement, vous avez quatre solutions. Soit un dégagement, soit tenter la pénalité au pied, soit une mêlée, soit à la main. Allez, je vais jouer à la main, juste histoire de vous montrer un nouvel essai. Oui, je sais, je suis quelqu'un qui vraiment se donne à cœur joie pour aller. Oula, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Bien, je voulais prendre directement le ballon et le marquer directement, mais je me suis mal fait comprendre, mais c'est pas grave. Ah oui, pour prendre le ballon directement, c'est la touche A. J'avais oublié de le dire, excusez-moi. Essai ! Voilà ! Nouvel essai de l'équipe des îles du Pacifique. Bravo ! Voilà, donc après l'essai, la transformation. Bon, je vais essayer de voir si je peux la réussir, celle-là. Bon, elle est ni trop facile, ni trop difficile.
C'est-à-dire qu'il y a, une chose qui est vraiment un petit peu chiant dans, ce jeu et qui pèse dans ce sport, c'est qu'il vous faut, en aucun cas faire le moindre erreur. Alors attendez, voilà. Attendez que je cadre bien, voilà. Espérons que ça suffise. Ça ne suffit pas, bah tant pis, c'est pas grave, j'aurais au moins tenté. Oui, parfait. Là, je vais essayer de voir si je peux dégager, enfin de m'approcher un petit peu plus de leur défense. Le Fato. Je vais voir. Bon, bien sûr, vous pouvez faire n'importe quelle passe à n'importe quel joueur. Enfin, encore faut-il qu'il soit bien, bien à votre portée. La baille. La poussoir. Il guérit. Sylvie Batou. Oula. Et essai ! Nouvel essai ! Je ne pensais pas marquer comme ça, mais c'est pas grave. GG à lui. Partez pour la transformation. Alors là, celle-là, elle promet d'être difficile parce que, étant donné que j'ai marqué très très loin. Oh là 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 là. Oh, je suis pas sûr si je vais réussir. Hein. Je suis bien obligé de la faire, sinon c'est quasiment de l'anti-jeu. Bon, on va essayer. Si ça passe pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut pas dramatiser. Et... Ah non, c'est tout à fait raté. Ah là là, c'est raté. Ok, ok. De toute façon, elle était difficile, celle-là. Mambole. Afeaki. Rawaka. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, petite pénalité rapide. On va essayer de la faire vite fait. Oh là là, il nous met l'avantage. Et c'est... Essai ! Voilà ! Nouvel essai ! Bravo ! Et nouvel essai des îles du Pacifique. Donc, on va s'intéresser tout de suite à la transformation. Alors là, celle-là. Contrairement à la précédente, elle va être facile. Oui, bien joué. Parfait. Ah mince, hein. Oh là là là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, le match est terminé et j'ai gagné. Donc, victoire de l'équipe des îles du Pacifique sur le score de 52 à 3 contre les Irlandais du Leinster. Voilà. GG à eux parce que franchement, ils ont assez bien joué, même si c'était un petit peu dur. Mais bon, au moins, c'est la victoire qui compte. En tout cas, le jeu, il a beau vieillir, il y a quand même toute sa saveur. Voilà, c'était donc la fin donc, de ce test de jeu sur Rugby 2006 sur PC. Donc je vais voir si je peux faire encore d'autres tests de jeu. Voilà, ça sera tout pour dans cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, ben, salut !